Il y a encore un groupe qui est composé avec divers ambassadeurs dans divers pays, tant qu'ambassadeurs pays d'Allemagne, Brésil, Canada, Espagne, États-Unis, la France, Union européenne, qui est là représentant l'Union européenne, représentant spécial organisation État américain, représentant spécial secrétaire général des Nations Unies, et bien, encore un groupe a exprimé goût être chargé le gain face à la crise pays qu'on est dernier temps, ça y est, conformément à la déclaration 24 mars 2021, côté président conseil sécurité Nations Unies lui-même lui fait appel avec autorité conseil pour capable organiser élection libre, juste, transparente et crédible en un pays pour l'année 2021. Dans ce ça lui vient de responsabilité autorité conseil autorité haïtienne pour capable faciliter sa participation tout le monde candidat électeur dans élection d'un pays, mais lui demande tout faut qu'il prenne toute responsabilité pour capable assurer bonne sécurité pour permettre mounio capable à la remplir des voix ça yo gagnant et tout permettre que tout gagnant sandri les listes électorales yo capable fiable vraiment fiable et yo capable répondre avec toutes conditions yo qu'on groupe encourager toute partie politique avec toute partie qui ont même qui concerné par rapport avec la crise pays qu'on est dernier temps ça yo pour capable mettre tête ensemble et tout mandé avec tout acteur tout même j'ai avec autorité concernée yo pour mettre d'accord pour capable freiner zaka insécurité pays qu'on est là pendant le mandé tout acteur yo tout pour capable vraiment bien dire fond camper sous niveau violence pays qu'on est là et puis tout crise politique là de l'autre côté qu'on groupe là li fait appel avec autorité concernée jeune dia pour capable bataille sérieusement contre insécurité et impunité dans le pays pendant y a traduit devant la justice toute hauteur, toute co-hauteur, tout résumé, tout le monde qui eux-mêmes t'a gagné tout campé dans une série de massacres graves qui fait en de pays, précisément, hein, massacre, ben, assassinat qui fait sous ancien bâtonnier, l'autre avocat, pour prince qui se mette Montferrier. Dorval n'a pas changé, côté et bandit et assassiné, la date qui était 28 août 2020. 20 passé à la Cali dans Pèlerin 5, qu'on groupe là, lui rappeler avec autorité concernée, ok, on sait solution même qui capable de pays à dans bon point, dans bonne direction, dans cas ça, lui demander avec tout le monde, tout acteur concerné pour capable prendre bon genre engagement pour capable arriver résoudre problème pays à connaître dernier temps ça y ça, c'est un bien position, mais réaction. Corps groupe 1, je ne dis à qui est la donne à divers organismes, divers ambassadeurs, différents pays, qui est en cours, Allemagne, Brésil, Canada, la France, États-Unis, pour ne dire bien Espagne, représentant Union européenne, représentant spécial organisation État américain, et puis représentant spécial secrétaire général Nations Unies. Faut nous dire, gagné, Maître André Michel, qui lui-même réagit tout de suite après notre corps groupe 1. Oui, Maître André Michel qui réagit dans nos secteurs démocratiques et populaires qui vont jeter bien loin. Corps groupe, qui participe en réclame organisation élection pendant l'année 2021. Porte-parole là, secteur démocratique et populaire André Michel rappelé Squitter Yopaka, organisé avec Jovenel Moïse au pouvoir qui ont un conseil électoral provisoire tête calée, sans compter une sécurité qui gagne dans tout pays. C'est un gouvernement provisoire que Messien Jean-Louis comme président provisoire qui est capable de réaliser l'élection dans le pays. Un côté maître André Michel qui était dans le micro Jean-Philippe Massé. 5h30. Mon note. Corps groupe sorti matin. On note qui signe par corps groupe. Ambassadeur Allemagne, ambassadeur Union européenne, ambassadeur la France, ambassadeur américain, ambassadeur Espagne, représentant OEA et tant d'autres qui dit ouvrir l'élection dans l'année 2021. Mais franchement, c'est ne pas comprendre la réalité. Aujourd'hui, la communauté internationale doit le comprendre. Jovenel Moïse, qui reste au pouvoir en dehors de la Constitution et des lois de la République, c'est le principal obstacle à l'organisation des élections. Ou pas qu'à mander pays, à mander opposition, ou pas qu'à mander société civile là, ou pas qu'à mander peuple là, pour aller à l'élection avec un nègre, un dalfini qui font coup d'État qui est mon pouvoir. Ou pas capable de parler d'élection avec un conseil électoral et venir faire mon religion pour la paix au faire avec Jovenel Moïse qui est 9 membres de la donne. Ou pas capable de parler d'élection dans condition comme ça, c'est gang, kidnapping, capture monde, kidnapper monde. C'est kidnapping qui a fait dans le pays. La police a fait des cartes devant bandits. Les conditions ne sont pas réunies. Pour élection faite, pour un, Jovenel Moïse quitte le pouvoir le plus vite possible, immédiatement.
parce que le mandat est fini depuis 7 février 2021. Deux, pour un gouvernement avec des hommes et des femmes crédibles, les Saint-Jean lui prêter ses mains, pour une feuille de route, les sorts pour aller dans l'élection. Écoutez, nous sommes de l'opposition, nous n'avons pas peur d'élection. L'opposition n'a pas peur des élections. Au contraire, c'est ma conviction. Le jour où conditions réunies pour les sont faites dans le pays, ce sont les forces démocratiques et populaires qui gagneront ces élections. Ça veut dire qu'il y a une belle. C'est Jovenel Moïse qui problème, conditions pas réunies, c'est pour une bataille pour les sont faites dans de bonnes conditions. Voilà la position du secteur démocratique à ce sujet. Et nous clair, nous bon côté peuple là, nous pas trahir cause peuple là. Et quel que soit le monde qui trahit cause peuple là, nous combattons, nous dénonçons. Secteur démocratique et populaire, en conférence sur la presse, hier jeudi à la voie, j'étais bien loin des marches, dialogue religieux pour la PA. Maître André Michel fait qu'on est estricti ça pas crédible pour jouer rôle mi-temps joué là. Donc, initiative pareille. On suit le reportage avec un collaborateur, nous, Jean-Philippe Massé. Bonjour pour la paix, mettre le propre, la caille, il cherche un problème. Maître André Michel, porte-parole secteur démocratique et populaire, qui croit c'est une blague, démarche dialogue religion pour la paix, secteur ça a pas de crédibilité ni notoriété pour jouer rôle mi-temps jouette dans la crise là. Avocat chargé exemple pour prouver religion pour la paix pas neutre. Religion pour la paix pas jamais prend position. Toi, tu 124 de constitution. Religion pour la paix pas jamais prend position. Là, on massacre mon la saline. Là, on tue mon belle, là, on tue mon cité soleil. Là, on assassine un bâtonnier d'Orval. Religion pour la paix pas jamais prend position. Evony Auguste, qui c'est mon religion pour la paix. Ligue mon conseil électoral là. Religion pour la paix fait partie de la crise. On ne peut pas être à la fois jugé parti. Bonjour pour la paix est disqualifié. Monseigneur André Dumas, grand monde crédible dans le groupement ça, pas accepté d'entrer dans la démarche là, si nous devons commettre André Michel. Reste mob qui prend devant dans le dossier dialogue là, il y a bon lien avec le régime tête caléa. Seul monde dans le pour la paix qui a un minimum de crédibilité, bon, on va voir dans la question de dialogue là. C'est Monseigneur Beauvoir qui a voué puis la droite à gauche, avec le tour et les Clément qui a viré, etc. C'est seul Monseigneur Dumas qui ont minimum de crédibilité, information bien dans bon dimamit, monsieur pas dans bataille ça. Parce que, monseigneur Dumas comprendre que, ou pas qu'à parler de dialogue avec un nègre qui a violé la constitution, avec un nègre qui a mandat fini. Cependant, secteur démocratique la quoi, doit avoir une discussion pour joindre départ Jovenel Moïse avant longtemps. Débat doit réaliser à la communauté internationale la société civile, la composition, pour joindre une plus bonne formule pour évacuer chef l'État. Et puis mettez sous pied un gouvernement transition avec Mécène Jean-Louis comme président provisoire. Il faut qu'il y ait une discussion avec l'opposition. Et nous prêts pour nous discuter avec l'opposition, avec la société civile. Il faut discuter tout avec la communauté internationale là, parce que c'est eux qui parlent de Jovenel. Jovenel Moïse, ils sont restés avec lui. Il faut discuter avec la communauté internationale là. Parce qu'il faut nous évacuer Jovenel le plus vite possible. Matin là, Jovenel pas doué là encore. Chaque jour, Jovenel Moïse passe dans le palais, c'est misère. Peuple à la pour augmenter, c'est kidnapping à la pour augmenter. Ça veut dire ça? Oui, il faut des discussions. C'est la position du secteur démocratique et populaire. Il faut des discussions entre les différents secteurs de la vie nationale et la communauté internationale qui est le patron de Jovenel Moïse. On va pas le chita rester avec. Fini. Maître André Michel, quoi, c'est un peu une blague. Si un jour, vous avez chita sous même table avec messieurs dames, religion pour la paix, vous avez un compte impossible. Ça veut dire, si on joue à bien médiation, je le regrette. C'est pas, et comment il s'appelle, et Pasteur Beauvoir, ou bien comment il Clément, Evonique Walmenen. Franchement, c'est sûr, une plaisanterie que nous avons accepté, secteur démocratique et populaire, nous pourrons l'accepter à nos médiations, et puis là, nous y vais, c'est Evonique qui vient dans le conseil électoral, qui va le recevoir nous, c'est Clément, c'est Beauvoir, dans le foot fort dépôt, et pouvoir par avantage, qui va le recevoir nous. Franchement! Ce serait une plaisanterie. Dans ce sens, le secteur démocratique et populaire, vous avez un pinga, by n'importe acteur dans l'opposition, qui a décidé de rentrer dans la démarche, religion pour la paix. Ça, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons jamais faire. Et quel que soit le monde qui fait, nous avons en contravention avec le peuple haïtien. Mandat Jovenel Moïse fini, pas de négociation, pas de dialogue avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse doit quitter le palais national immédiatement. C'est la position du secteur démocratique et populaire. Pas de négociation sous constitution. Et n'importe qui fait, n'a combattu, n'a dénoncé. Entre-temps,
malgré réticence certains acteurs dans l'opposition. Information fait que discussion après poursuivre sous terrain là pour joindre une solution à la crise là. C'est vrai qu'il y a un pile acteur dans l'opposition qui montre au compte initiative là. Qu'on s'agit l'autre qui préférait faire silence, n'a pas rappelé dans différents correspondances religion pour la paix. Il a précisé, c'est plusieurs structures dans l'opposition, tant que AAA, MTV Haïti, en force, qui t'a écrit, m'a dit, vous faites médiation si là. Il un dossier n'a pas suivi. Jean-Philippe Masséan, Radio Méga. 5h35. Merci ensemble avec collaborateur nous Jean-Philippe Masséan pour reportage ici là. N'a toujours été ensemble avec secteur démocratique et populaire qui m'a des populations continuer mobiliser sur tout pays pour joindre pas Jovenel Moïse dans palais national. Telon Romelus une porte-parole stricte a fait connait abandonner mobilisation, c'est abandonner prisonniers politiques, c'est abandonner policiers qui subissent répression. Porte-voix secteur démocratique la société population prend responsabilité pour chavirer pouvoir en côté selon Romelus, Namco Jean-Philippe Massir. Mobilisation, son passage obligé. Son passage obligé, et c'est lui qui constitue son pays à nous comme ZAM pour nous battre. C'est pas qu'on est, nous pas qu'on est ça pour nous faire. Le traîner souvent sur terrain pour nous faire de se frapper avec eux. Pour baron étranger capable de moyens pour entrer dans le pays pour faire occupation. Mais grâce soit à Dieu, nous avons de grands dirigeants qui ont une vision qui peut entrer dans la logique ça. Et nous choisissons pour nous utiliser sa mobilisation. Et nous demandons tout côté, tout le monde qui toujours a mobilisé pour nous décourager. Choisir copain sur mobilisation, c'est choisir dire d'accord à kidnapping que pouvoir a fait sous peuple. Choisir copain sur mobilisation, c'est choisir dire que d'accord à la mort mon frère Yenoval, que Jovenel dit qui mourit à 10h13 et à 10h15, madame n'y pote vide en Mali pour dire chérie. Mission accomplie. Hélas, si tu viens juste en Haïti, Martine Moïta de Abakot. Dis comme pas mobiliser encore, c'est dit, mais d'accord à policier nous, que Léon Charles voyait en bas à mourir pendant que il dépassé en pile corps pour nous récupérer matériel là. Et puis corps policier nous, hélas. Dis comme pas mobiliser. C'est dit, moi d'accord, à Gonet qui nous prison, parce que la défense policière par Eli, on va parler de Gosten, on va parler de policiers. De pour policiers à les âmes, les tirer sur les policiers par Eli, les pas policiers, sont même all black. Il va policier. C'est vrai. Dit que je ne vais pas mobiliser encore. C'est dit, je ne vais pas comprendre qui bataille. Dirigeant opposition en général et dirigeant secteur démocratique et populaire mené en partie. Dit que pas mobiliser encore, c'est dit que d'accord avec massacre Belin, 4 massacres Belin. C'est dit d'accord pour arrêter monde de bien, arrêter le sénateur de l'Elkassi qui va ville pour bataille ça pendant ce temps, Nicanor a flâné. Pendant ce temps, Babekou fin boule belle, il touche un belle. Voilà, ça c'est déclaration professeur Telon Romelus qui lui-même tous ses porte-parole secteur démocratique caca populaire. Ce bon parle là, secrétaire général parti Fusion Sociodémocrate haïtien yo qui c'est Rosemont Pradel dit pas prend au sérieux démarche religieuse pour la paix entreprendre pour permettre pouvoir à opposition chita sous table négociation. D'après Rosemont Pradel, religieuse pour la paix pas capacité pour faire travail ça abouti. Les prend comme exemple youmam secteur vaudois qui dans religieuse pour la paix qui est représentant dans et payant pour dirigeant politique là religion pour la paix discrédité tête li dans démarche si là qui d'après ligue pour objectif casser mobilisation populaire. Rosemont Pradel croit bataille pour renverser président Jovenel Moïse sous pouvoir lui fait dans niveau international là c'est tout bon côté pays qui a soutenu chef l'état sous pouvoir. En côté ingénieur Rosemont Pradel qui c'est secrétaire général parti Fusion Sociodémocrate haïtien yo.
nous pas croire que religion pour la paix est capacité pour le capable mener une tâche comme ça à bon port. Pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a un monde dans la religion pour la paix qui a des relations avec le pouvoir. C'est pas une relation simple. C'est des mondes, par exemple, secteur vaudois, qui n'ont religion pour la paix, c'est eux qui baillent eux même dans CEP. Inacceptable, là. Donc, à partir de ce moment, où vient tourner juge et parti en même temps. Nous croyons que, par ce tact, religion pour la paix, discréditer tête li, non démarche pareil. Deuxièmement, nous interpréter démarche religion pour la paix, comme étant une manœuvre pour déstabiliser ou démobiliser, en quelque sorte, manifestation qu'a faite dans la rue. Il y a deux gros manifestations, méga manifestations qui faites dans le mois de février. Il y a une qui fait déjà dans le mois de mars. Et nous croyons que ces manifestations-là populaires, qui réunissent plusieurs centaines et même des millions de monde à travers le pays, eh bien, commencer à inquiéter en quelque sorte le pouvoir en place. Donc, manœuvre bagaille ça, question de parler de médiation. Donc, on connaît que dès que vous parlez de négociations, donc vous allez casser en quelque sorte rythme mobilisation. Sous bon par la présidente parti Fusion Sociale, la démocrate haïtienne, exprime préoccupation sur situation sociopolitique pays a traversé depuis un bon bout de temps. Edmond Supplice Bozil fait connaître depuis après 1986, pouvoir président Jovenel Moïse, c'est pouvoir qui peut pas réaliser rien pour pays. D'après dirigeants politiques, c'est massacre, kidnapping, corruption, impunité, gaspillage, bien l'État et l'attrié qui caractérise pouvoir ça. Edmond Supplice Bozil lance un appel à la population. Pour continuer à lever capé pour forcer le président Jovenel Moïse quitter palais national, un côté de monde supplice Bozine Namiko Josué Belamour. Pouvoir, pas dans démocratie à personne, c'est un pouvoir dictatorial, son pouvoir qui voulait à toute force changer constitution, hein, pour contre lui, sans consensus avec personne. Jovenel Moïse, pas gagné en ken toupé, lui usurpé en titre, mandat fini février 2021, il pas gagné en légitimité, lui campé col à l'aise sans problème. Minimum qui gagne là, il y a 3000 cas en 3 ans, il y a 3000 cas de kidnapping. Et kidnapping, notre compte qu'on met fait, décapitalisation des kidnappés et moun qui n'a diaspora, yo, parfois c'est vous voyez l'argent et vous payez pour casser parce que c'est vous-même qui voyez l'argent, tribu en pilou pour vous, c'est vous voyez l'argent pour permettre que vous capable de retirer moun dans main voler ça. Massacre, nous mettons en face surtout sur ça qui passe Belair là. Belair qui a quelques mètres de palais national. Regardez comment vous calciné un grand monde qui a 80 années qui est aveugle. Nous pensons que bagay ça n'a pas gagné, coup pas gagné. Par contre, qui j'en pour moun analyser, donc justice pour la Saline. Justice pour Belair, justice pour Kanfou, Kanfou Feuille. Parce que ces bourreaux, n'importe le pays a tourné à la normale, il doit tourner à la normale pour règle de droit triompher, n'a traîné. Nous avons porté plainte contre les bourreaux de ces quartiers-là. Et nous dit que sous tout massacre, ça, et puis autorité de facto muette, ils n'ont pas dit rien. Ça qui est dur, c'est le fait que ma brigade de direction générale police qui a mené une bataille frontale par rapport à Fantôme 609, qui est pour moi là-dedans, d'être indiqué alors que. Parole ouais, bene bataille frontale, ça contre G9 et Ali. Ça, pour moi, c'est l'ère de l'impunité totale et de la tolérance de la part des autorités, y compris de la direction de la police. 5h45. N'avancez toujours avec information dans ce qui est pour avec à cause des dialogues qui voulait entamer la bon côté religieux pour la paix qui voulait jouer la médiateur non causé ça. Gagné un note pour la presse non conscient pour qui, bah, disons, la sous-question dialogue là qui a parlé côté religieux pour la paix va même proposer tête li pour Jérôme Mitan Jouet là qui s'est rapidement, mais non conscient dit non note pour la presse ça. Non conscient comme escriti Petro Challenger acteur dans la société civile dans pays d'Haïti. Croyez depuis plus passé 3 ans et 2 gain bon. Un dialogue. Dialogue franc, sincère, pour t'empêcher pays à tomber dans situation crise à la fois politique, socio-économique, sans pareil. N'a pas connu jeudi. Plusieurs processus de dialogue entre pouvoir et un bon parti d'opposition échoué parce que pouvoir pas croire dans dialogue et puis sembler pas mesurer dimension crise. Non, jeudi, il croit pour tout le monde, il clair pour tout le monde, en particulier pour membres religieux pour la paix, mandat constitutionnel. Président Jovenel Moïse a fini depuis 7 février 2021, d'après article 134. Tiré deux moments loi payant. Mandat, majorité élue nous fini, côté président Jovenel Moïse, pendant tout le temps, le pat fait la dirigeant, hein? Les patries veut créer conditions pour réaliser même yon élection pour arriver à démocratie à Jarrette. Président Jovenel Moïse a assassiné projet démocratie peuple, n'en prolongé illégalement mandat dirigé à car décret démantibilé, l'autre a démantibilé pouvoir dans l'État et puis fédérer gang pour empêcher masse populaire exprimer sa pensée. Tout ça y est arrivé fait
militaire sous base li bénéficie si pour sans condition administration blanc américain corps groupe en général après toute tentative dialogue échoué et puis comportement président Jovenel Moïse si gagne une vérité jeudi à souli li palote président Jovenel Moïse pas démocrate li pas croit dans aucune valeur démocratique li pas croit dans dialogue situation dans moment ça pas qu'a gagne dialogue sérieux sous crise pays à citoyen qui pas président encore mais qui kidnappe un pouvoir religieux pour la paix celle chita parler qui ta va possible si monsieur gagne un petit calme la caille toujours c'est chita parler pour négocier comment la quitter parler à pour pas gagne trop laisser frapper en d'un pays non conscient croit je dis à c'est vrai crise n'a vive là à pourri chaque jour plus mais faut nous reconnaître malgré en pile la divergence dans position à la société civile là mais après dialogue gagne accord une majorité sous nécessité une transition ripti et puis qui côté monde qui pral mener transition ripti ça a sorti point fini nous conscient a dit à quelle population haïtienne non bataille pour liberté à cap bien-être a pas de jambes facile. Esclavio t'es passé presque 300 ans à bataille avant yoté vin fait 1804. Je dis à bataille pour bien-être là, mandé patience, courage à mobilisation tout temps. Pour tout le monde qui s'y en bas note ça, c'est professeur Ben Skadet et puis économiste Pilate Voltaire. L'autre information dans le journal là, il y a l'Office national d'identification qui fait qu'on est, il y a plus passé 4 millions de monde qui déjà enregistré dans le système là. Directeur général ONU en Jude, Jacques Elibek, ce qui est mis une série de paramètres pour faire 4 identifications, ça, tant qu'on pointe facial, nalité pour permettre à toute catégorie de monde faire 4 ça. Un côté Jude, Jacques Elibek, un ami quoi, Alix Gauthier. Chiffre matin, il était 4 346 000 citoyens qui étaient déjà enregistrés dans le système. Donc, on a avancé aussi vite parce que l'ancien système, nous avons 6 millions de gens qui étaient enregistrés là-même. Donc, là, on a avancé très bien pour nous arriver dans le chiffre côté de notre carrière. Mais ce problème, on devrait parler de l'acte de naissance. Nous avons une autorisation dans ONU pour agents ONU, opérateurs ONU, nous avons rempli le formulaire, mais pour travailler avec l'État civil pour nous assurer que nous avons la connaissance. Parce qu'on peut le faire du bon côté, nous n'avons pas la connaissance, donc nous n'avons pas capable d'enregistrer. Parce que d'après la loi, si on dit, ces pièces sont au besoin pour faire justement pour gagner un cas d'identification nationale. Donc nous travaillons avec le ministère de la Justice, là, avec l'État civil, pour nous assurer que ça va être fait. Donc nous déjà écrit un formulaire nommé agent relié, quand on a travaillé avec l'État civil pour nous capables. Donc nous dit formulaire pour tout. Et acte de naissance là, et puis pour nous capables d'enregistrer, pour capable de acte de naissance. Acte de naissance et cas d'identification, nationale. C'est très important, surtout dans le côté qui est régulier, côté nous n'avons pas bien acte de naissance, donc nous ne sommes pas capables d'avoir un cas d'identification. Nous créons un système qui n'est pas exclu personne. Nous mettons trois biométriques. Nous avons choisi trois biométriques parce que c'est ça qui peut avancer de loi, mais il ne permet même pas exclure aucun citoyen parce qu'au moins il y a un accident, il perd du tout le point de vue, il a toujours enregistré parce que nous faisons là, nous avons une liste. Au moins il y a 20, il y a une liste, nous avons toujours le facial là. Donc, pour toujours gagner ni un biométrique que nous sommes capables d'utiliser pour positivement, uniquement identifier. Donc ça, c'est ça fait nous faire plaisir parce que nous c'est la première fois que nous sommes capables de jouer. Tout le monde est capable d'aller exercer le droit, une bonne que l'élection, et nous sommes capables d'aller exercer le droit, la banque avec tout le côté que nous avons fait affaire. 5h50. Toujours dans le même dossier, ça, dans le cadre de conférence, ça, autorité, autonomie, yo, bail, là, non, ministère, communication, qui trouvait sous Bois Vernard, ministre, délégué, bon côté, premier ministre, qui chargé, question, citoyenneté, Guy François, fait qu'on ait, yo, déjà, mettez plusieurs matériels, pour faire 4 identifications, ça, pour citoyens haïtiens qui vivent dans un pays étranger, parmi pays, ça, yo, qui déjà jouent matériel, yo, nous capables, citer, République Dominicaine, avec États-Unis, d'après ministre Guy François, pays Amérique Latine, c'est à cause de la pandémie, hein, qui, alors pandémie coronavirus, hein, qui fait pourquoi vous voyez mission diplomatique pour ça. Un côté ministre délégué, bon côté premier ministre qui charge question citoyenneté, Guy François, dans le micro, Alix Gauthier.
Novembre 2021, nous connaissons que le président Jovenel Moïse a pris une décision pour les affaires d'identification, pour renforcer tous les différents secteurs, que ce soit le ministère de la Justice, les affaires Baptiste et avec l'ONU, les affaires 4 d'identification. Dans l'exercice, nous connaissons que nous avons mis en priorité les affaires formulaires parce que nous avons environ 3 millions d'Haïtiens qui n'ont pas gagné Baptiste. Donc, dans l'exercice, nous avons gagné presse nationale côté président, qui passe instruction pour gagner une commande de 3 millions de formulaires. Et nous connaissons qu'au niveau du ministère de la Justice, chaque année, c'est 100 000 formulaires qui ont toujours été disponibles pour les affaires d'identification. Mais fois ça, dans l'opération coup de poing, ça, c'est 3 millions de formulaires. Côté aujourd'hui, nous environ à 2,5 millions de formulaires qui sont déjà à disposition du ministère de la Justice. Côté nous connaissons, c'est officier d'état civil avec clerc qui réglent les affaires Baptiste. Et n'a continué pour nous dire que les affaires Baptiste, c'est un service qui est gratis ou pas supposé payer pour gagner acte de naissance. De malheureux, son compagnie allemand, son compagnie côté CAPSA disponible dans un paquet de pays, pas seulement en Haïti. Faut nous dire tout que CAPSA, même gens que nous-mêmes aujourd'hui, nous avons un iPhone, nous avons toute qualité de téléphone, mais il y a deux années de ça, c'est piper. Donc, de jour en jour, mon a évolué. Donc, nous, t'es décidé pour nous renforcer le système d'identification qui veut dire que pour ne pas prendre la fraude ou bien le paquet de duplication au niveau de carte. Donc, nous avons un carte qui est très crédible à partir de différents systèmes biométriques qui veut dire ou bien iris, qui c'est jura, nous avons un système facial là et nous avons un système empreinte digitale là qui veut dire que trois bagages ça y est, nous prenons en considération loi le fait katou. C'est peut-être ça, loi le fait katou, nous mettons en prêt tout, loi chercher katou, faut mettre en prêt tout. Qui veut dire que son système très important, on moun ou pas qu'à dire, on moun a cherché au katou, c'est où pour aller nous-mêmes parce que faut mettre en prêt tout pour qu'après katou là. Au niveau de diaspora, on a dit son grande première, côté que affaires d'identification tournent en réalité, côté mission diplomatique déjà commencé à recevoir appareil l'ONU. Côté, nous avons pays, ces domaines avec États-Unis. Par exemple, nous avons 7 missions diplomatiques aux États-Unis et 5 missions diplomatiques ces domaines. Et nous avons dit, monde qui est dans le pays Amérique latine, Chili, Argentine, Brésil, les pays dans les Caraïbes, en Europe, en Asie, en Afrique, nous connaissons avec les affaires pandémie Corona, ça, nous connaissons des pays qui ferment. Par exemple, Canada, la France, et des pays comme le Brésil, qui sont 4 000 morts là. Donc, il y a pile mesures qui prend. Donc, on a fait un monde ça, citoyens qui vivent, diaspora qui vivent, dans la zone ça, que appareil l'ONU est arrivé, mais formation, nous connaissons fort. Nous avons opérateurs l'ONU pour aller pour faire formation pour nous. Donc, nous disons, on a privé sur eux, mais il faut nous respecter les mesures protocolaires sanitaires. Donc, à n'importe quel moment, depuis, et mesures relevées, nous venons en aide avec nous.